Bienvenue, gratitude d'être ensemble pour le yoga. Une respiration, on va faire un om d'amour. 1, 2, 3. Les bras, les mains montent. Et nous montons sur les doigts de pied. Les yeux ouverts. Inspiration. 1, 2, 3. Et ça monte. Les muscles fessiers, les abdos se contractent. C'est raide et à la fois ça monte. C'est soutenu et c'est facile. Inspiration. 1, 2, 3. Le dos bien droit, la tête bien droite, bien en face. Et ça monte. Et ça monte sur les doigts de pied. Inspiration. 1, 2, 3. Et ça pleure, laissez pleurer si ça pleure. Ça s'étire, jouissance des omoplates. 1, 2, 3. Et ça continue à monter. Ah oui! Et ça fait du bien, ressentez, le corps se réveille. 1, 2, 3. Inspiration profonde par le nez. 1, 2, 3. Inspiration. 1, 2, 3. Et nous redescendons. Ça redescend. Le buste se penche, la tête descend. Inspiration par le nez. 1, 2, 3. Abandon. On continue. Inspiration par le nez. 1, 2, 3. Abandon. Inspirez, expirez, là où ça tire. 1, 2, 3. Inspiration. 1, 2, 3. On continue, inspiration profonde par le nez. 1, 2, 3. Et ça expire, ça s'abandonne. 1, 2, 3, retenez et tout doucement. Ça expire, ça s'abandonne, ça se relâche. Ça lâche. Inspiration profonde. 1, 2, 3. Inspiration profonde, expiration là où ça tire.
Et ça relâche à l'expiration. Ça s'abandonne, ça apprend à s'abandonner. 1, 2, 3. Et tout doucement, depuis le bas du dos, ça remonte pour revenir en position verticale. Les bras, les mains en l'air. La posture Anatman. Si vous n'avez pas de problème de cervical, vous pouvez étirer la colonne en arrière en inspirant par le nez. Ah, ah, ah. Inspiration par le nez. 1, 2, 3. Ah, gratitude. Ça s'étire, ça fait du bien. Osez la jouissance de l'étirement. 1, 2, 3. Ah oui. Ah. Les mains soutiennent le bas du dos. 1, 2, 3. Ah. Et tout doucement, sans forcer, ça relâche, ça s'abandonne. La colonne se réveille. Ah. 1, 2, 3. Ah. 1, 2, 3. Ah. Inspiration par le nez. 1, 2, 3. Et à l'expiration, ça s'abandonne dans la colonne et ça se détend, ça laisse la colonne s'étirer. Sans forcer. 1, 2, 3. Ah. Ah. On va chercher la jouissance de l'étirement. Inspiration. Et la mâchoire aussi peut s'étirer. Grimace. Ah. Ah. On en profite pour étirer la mâchoire et les joues. Ah. 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 Inspiration. 1, 2, 3. Et tout doucement, depuis le bas du dos, nous revenons. Et nous sommes en position verticale. Nous allons faire un ham dans les pieds, ressentez les pieds, la conscience dans les pieds. Les yeux ouverts, les bras, les mains, monte, 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 de nouveau sur la pointe des pieds. Inspiration. 1, 2, 3. Et ça monte, ça monte, ça monte. 1, 2, 3. Ah oui, jouissance de l'étirement dans les omoplates. 1, 2, 3. Et plus vous montez, plus c'est facile. 1, 2, 3.
Inspiration. 1, 2, 3. Laissez pleurer. 1, 2, 3. Et nous redescendons tout doucement. Et de nouveau, sans forcer le bas du dos. Se plier, nous descendons tout doucement, tranquillement. Inspiration. 1, 2, 3. Et ça s'abandonne. Inspiration. Expiration. Inspiration profonde au maximum de votre capacité. 1, 2, 3, abandon. Inspiration profonde. 1, 2, 3, abandon. Inspirez, expirez là où ça tire. 1, 2, 3. Inspiration profonde. Retenez l'air. Puis 1, 2, 3. Expiration douce. Ça s'abandonne.
Ça s'abandonne à la posture, ça lâche tout. 1, 2, 3. Et puis tout doucement, depuis le bas du dos, ça remonte, ça remonte, ça remonte. Les bras, les mains en l'air, la posture anatman, les bras en croix. Et tout doucement, étirement en arrière. Les mains soutiennent le bas du dos si besoin. Et tout doucement, ça s'étire à votre rythme sans forcer. Inspiration par le nez. Abandon. Inspiration par le nez. 1, 2, 3, expiration. Et nous revenons en position verticale depuis le bas du dos, tout doucement. Nous retrouvons notre verticalité, les épaules légèrement en arrière, le dos bien droit. Ressentez dans les pieds la connexion à la terre-mère, et nous allons faire un ham dans les pieds. Les deux bras montent, montent, montent. On s'étire vers le haut. Et le coude droit se plie. Et le coude droit monte, monte, monte. Et si ça baille, ça baille.
Et le coude droit monte, 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 étirement de tout le côté droit, du haut des fesses jusqu'aux épaules, les omoplates, le bas du dos. Ah oui! Retrouver, rechercher cette jouissance de l'étirement. Ah! Dites avec moi, j'ose l'expression de la jouissance. J'ai le droit. Inspiration. 1, 2, 3. Ah! Gratitude. Et ça tire, ça tire, ça tire. Inspiration. Inspiration par le nez. 1, 2, 3. Abandon. Expirez là où ça s'étire. Ah! Et si vous exprimez la jouissance de l'étirement, eh bien, figurez-vous que la jouissance est plus grande encore. Une respiration. 1, 2, 3. Essayez. Ah! Oui! Ah! Ressentez la différence quand il y a l'expression de la jouissance. C'est encore plus jouissif. Ça s'exprime, ça ose s'exprimer. Ça se fait du bien. Et c'est tout seul dans l'univers. Il n'y a personne. Inspiration. 1, 2, 3. Ah oui, gratitude. Ah, vous êtes autorisé à vous faire plaisir et à exprimer votre plaisir. C'est nouveau. Une respiration. 1, 2, 3. Ah oui. Gratitude au yoga tantra. Et le coude monte, monte, monte. Inspiration. 1, 2, 3. Ah. Inspiration. 1, 2, 3. Les deux bras montent, montent, montent maintenant. Et nous allons passer au coude gauche qui s'étire et qui monte, qui monte, qui monte. C'est le coude gauche maintenant. Les omoplates montent. Tout le dos monte. Inspiration. 1, 2, 3. Ah. Gratitude. Inspiration. 1, 2, 3. Ah oui. Ça s'étire, ça éloigne tous les mal de dos, nos pratiques, parce que nous étirons toutes les tensions, nous éliminons les tensions. Inspiration. 1, 2, 3. Ah, gratitude. 1, 2, 3. Ah, oui. 1, 2, 3. Ouf. Ah, et ça pleure, laissez pleurer, ça s'étire, ça se fait du bien. 1, 2, 3. Tranquillement, vous vous abandonnez à cette posture. Inspiration. 1, 2, 3. En même temps, ce qui pouvait résister ne résiste plus. Vous apprenez à vous abandonner à la posture sans résister, sans les voix qui voudraient arrêter. C'est habitué à s'abandonner et à s'étirer. Inspiration. 1, 2, 3. Inspiration profonde. 1, 2, 3. Et puis, nous relâchons les bras en l'air. La posture Anatman, encore une dernière fois. Ah! Ah! Ressentez la différence après l'étirement. Ah! Ah! Dans les pieds, la conscience dans les pieds. Ah oui. Ah, ça s'étire. Ah.
Ah, dites avec moi, je dis oui à la vie. Je suis la vie. Ah. 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 Inspiration. 1, 2, 3. Et nous revenons en position totalement verticale, tout doucement. 1, 2, 3. De nouveau un âme dans les pieds. Nous allons faire une demi-lune sur la gauche. Ah oui, le bras droit monte et nous penchons à gauche. Ah, ah, gratitude. Étirement dans le bas du dos, à droite, les hanches ou les côtes aussi. Ah, ça s'étire. Inspiration. 1, 2, 3. Ah, le pied droit peut être relevé. Ça s'étire, ça s'étire, ça s'étire. 1, 2, 3. Ah, ah, le cou aussi s'étire. Inspiration, expiration, là où ça s'étire. 1, 2, 3. Ah, oui, ça fait du bien. Et nous revenons en position verticale. C'est la main gauche, le bras gauche qui monte, et la demi-lune sur la droite maintenant. Inspiration. Ah, recherchez la jouissance de l'étirement. 1, 2, 3. Ah, gratitude. Ah, ça s'étire, ça crée une jouissance. Inspiration. 1, 2, 3. Ah oui, le yoga plaisir tous les matins. Inspiration. 1, 2, 3. Ah, ah, ça s'étire, ça s'étire. Ça se penche à droite. Inspiration. 1, 2, 3. Abandon. Ah. Et nous revenons tout doucement en position verticale. Nous allons faire du hula hop maintenant. Tout doucement. Depuis les chevilles, nous faisons des ronds. Et les genoux aussi font des ronds. Puis les hanches. Alors des grands ronds, c'est pas des petits ronds en fait. Plus le rond est grand, plus vous augmentez votre souplesse. Vous vous préparez une inspiration. 1, 2, 3. Inspiration profonde. 1, 2, 3. Inspiration. 1, 2, 3. Deux, trois, les yeux fermés, la conscience dans le corps, dans les hanches par exemple, dans le bassin. Inspiration. 1, 2, 3. Et ça tourne dans un sens. 1, 2, 3. Vous pouvez plier les genoux aussi. Est-ce que les hanches vont jusqu'au rebord du tapis à droite et à gauche? Inspire, dépasse le tapis même.
1, 2, 3, en avant, en arrière. Ah oui. 1, 2, 3, restez bien droit. Seul le bassin et les hanches bougent et nous changeons de sens. 1, 2, 3. Ah oui, ça crée une jouissance de l'étirement. 1, 2, 3. Contraction des abdos aussi et des muscles fessiers. 1, 2, 3. Inspiration. 1, 2, 3. Et nous revenons tout doucement. 1, 2, 3. Et puis nous allons faire la grenouille maintenant. Inspiration, expiration, les pieds bien à plat, 1, 2, 3, inspiration profonde, 1, 2, 3, inspirez, expirez là où ça tire. Mais vous faites pas mal. Si ça fait mal, arrêtez. Ça peut être un peu inconfortable, mais pas de douleur. Inspiration. 1, 2, 3. Inspiration profonde par le nez. 1, 2, 3. Expiration par la bouche. En continu. Il y a juste à inspirer, puis expirer. Vous devenez la respiration. Nous allons nous asseoir tout doucement. Inspiration. 1, 2, 3.
La colonne s'étire en arrière. Les bras, les mains soutiennent l'étirement. Ah oui, gratitude, inspiration. 1, 2, 3. Ah, laissez la cage thoracique s'ouvrir, le cœur s'ouvre. Il y a la joie de se faire du bien, la joie du plaisir et de la jouissance. 1, 2, 3. Ah, oui, gratitude. 1, 2, 3. Ah, et nous allons faire la planche pour ceux et celles qui veulent. 1, 2, 3. Le bassin remonte. Inspiration. 1, 2, 3. Les abdos se contractent, les muscles fessiers se contractent. Et ça monte, ça monte, ça monte. Nous étirons toute la colonne, tout le corps pour laisser la Kundalini monter, pour pouvoir monter le plus possible en dimension, en vibration. Inspiration. 1, 2, 3. Ah oui. Préparation du corps aux montées vibratoires. Inspiration. Et ça monte, ça monte, ça monte le bassin. Sans vous faire mal, si vous êtes nouveau, nouvelle, ne forcez jamais. 1, 2, 3. Ah, et ça monte. 1, 2, 3. Ah, gratitude. 1, 2, 3. Ah. 1, 2, 3. Ah. 1, 2, 3. Ah. 1, 2, 3. Ah. 1, 2, 3. Abandon. Ah. Ah. 1, 2, 3. Ah. Oui. Et ça s'étire tout doucement. Ça monte, ça monte, ça monte. Les abdos se contractent, les fessiers se contractent. C'est de plus en plus jouissif. Inspiration. Ah oui, ça s'abandonne. Gratitude. En même temps, vous vous musclez et vous augmentez la vitalité de votre corps. Ah oui. 1, 2, 3. Ah. Inspiration. 1, 2, 3. Ah. Et nous allons redescendre tout doucement. Seules les fesses redescendent. Le dos reste en arrière. Nous sommes assis, assises. Et tout doucement depuis le bas du dos, le buste remonte. Ah oui, étirement de la colonne et nous allons remonter vertèbre par vertèbre. La tête suit en dernier. Ah, et nous revenons voilà en position verticale. Inspiration. 1, 2, 3.
Ressentez la différence dans votre corps. Nous allons étirer la jambe droite. Inspiration. 1, 2, 3. Inspiration. 1, 2, 3. Expiration. Ah oui! Étirement de la jambe droite. Et ça s'étire. La conscience là où ça s'étire. Et l'étirement crée de la jouissance si vous vous abandonnez à l'étirement. Dites avec moi, je m'abandonne aux étirements. Je m'abandonne à la jouissance de l'étirement. Inspiration. 1, 2, 3. Ah, gratitude. Ah, ça s'abandonne. Grande inspiration. 1, 2, 3. Ah, oui. Ah. Et ça s'abandonne. Inspirez, expirez là où ça tire. 1, 2, 3. On continue. Une grande inspiration. 1, 2, 3. Et puis nous allons changer de jambe. Étirement de la jambe gauche. Inspiration profonde. 1, 2, 3. Ah oui, ça s'étire. Inspiration, expiration. Sans s'arrêter. Inspiration. Abandon. Thank you.
Inspiration profonde. Expiration. Inspirez, expirez là où ça tire. Tout doucement, nous revenons. Nous allons faire la posture du chat. Le chat qui va s'étirer en avant, en arrière, en haut, en bas. Inspiration. 1, 2, 3, et le dos rond. Ah ! Dites avec moi, je retrouve mes vies de félin. Ah! Et vous pouvez faire le chat ou le tigre, le lion, la lionne, la tigresse avec des postures libres. Ah! Gratitude. Ah, et ça s'étire. Ah, 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 gratitude. Ah, ah, oui, ah, ça s'étire dans tous les sens, la colonne se fait plaisir. Ah, 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 inspiration. 2, 3. Ah. Osez l'étirement, la jouissance de l'étirement. 1, 2, 3. Ajoutez des postures libres si vous avez envie. 1, 2, 3. Inspiration. 1, 2, 3. Expiration.
2, 3. Et puis nous enchaînons avec la posture du sphinx, le bassin bien plaqué au sol. Inspiration 1, 2, 3. Ah oui! Étirement du bas du dos, des fessiers. La tête remonte en avant, regardez en face. Ah, gratitude! Ça fait un grand plaisir, une grande jouissance dans le bassin. Inspiration par le nez. Expiration par la bouche. Ah oui. Ah, inspiration. Expiration. Inspirez, expirez là où ça tire, là où ça s'étire et là où ça se détend. 1, 2, 3. Ressentez votre bassin bien plaqué au sol, les premiers chakras, le 1 et le 2. Ressentez le lien avec la terre-mère. 1, 2, 3. Et puis nous allons nous allonger sur le ventre, repos, pour quelques minutes. Et juste à inspirer, expirer, s'abandonner. Inspiration. 1, 2, 3. Ça s'abandonne au tapis, au sol, à la terre-mère. Dites avec moi, je m'abandonne à la vie. Grande inspiration. 1, 2, 3. Expiration. On continue. Grande inspiration. 1, 2, 3. Et ça se détend, ça se relâche. Ça bâille. Ça s'endort presque. Sameta.
Satchidananda Parabrahma. Une grande inspiration. 1, 2, 3. Et pour ceux qui peuvent, les pieds sont attrapés plutôt par les mains. Les mains attrapent les pieds. Nous regardons devant. Ne forcez pas si c'est nouveau pour vous. Ah oui, étirement des cuisses de la colonne. Ah, gratitude. 1, 2, 3. Ah, ressentez la jouissance de cet étirement. 1, 2, 3. Ah, inspiration. 1, 2, 3. Ah, inspirez. Expirez. Et puis nous relâchons et nous en profitons pour nous mettre sur le dos. Inspiration. Le bassin est bien plaqué au sol, les genoux remontés, les pieds. Plante des pieds sur le tapis, ressentez dans le bas du dos, au niveau du premier chakra. Et nous allons faire un Am à cet endroit. 1, 2, 3. Les mains partent en arrière, étirement des omoplates. Ah oui, la posture du nageur, de la nageuse. Le bassin monte, monte, monte. Ah, gratitude. Et ça monte, ça monte, ça monte, le bassin monte. Étirement en arrière, une force vous tire les bras. Ah, gratitude. Inspiration. 1, 2, 3. Ah oui! Étirement des cuisses, des fessiers, des abdos. Inspiration. 1, 2, 3. Ah oui, ça fait du bien. Et nous redescendons tout doucement. Ah! Et c'est la jambe droite maintenant qui monte, la jambe gauche reste au sol. Les mains soutiennent la cuisse. Et nous allons faire une posture où la jambe droite est bien droite, à 90 degrés si possible. Inspiration. 1, 2, 3. Ah oui, ça s'étire. Derrière la cuisse peut-être, pour certains, certaines. 1, 2, 3. Ah, gratitude. Inspiration, expiration. Là où ça tire. Ah, le yoga tantra, le yoga plaisir tout au long du yoga. C'est du plaisir, de la jouissance à chaque instant presque. 1, 2, 3. Ah, oui.
ça s'étire. Inspiration, expiration. 1, 2, 3. Inspiration profonde. 1, 2, 3. Expiration, là où ça tire. Et puis la jambe redescend. Et c'est la jambe gauche qui monte. Même posture sur la jambe gauche. La jambe bien droite. Étirement de la cuisse. Inspiration, expiration. Inspiration. Au maximum, retenez. 1, 2, 3. Expiration dans la cuisse, là où ça tire. En continu. Et nous redescendons la jambe tout doucement. Repos. Ah oui, ça se repose. Abandon. 1, 2, 3. Ah oui, gratitude. Et juste à s'abandonner, nous allons passer à la partie réalisation du jour. Inspiration. 1, 2, 3. Et si vous avez un masque pour les yeux, vous pouvez le mettre. Pour être dans le noir et être encore plus à l'intérieur. Inspiration. 1, 2, 3. Alors, il y a juste à écouter ces réalisations pour le nous, pour le groupe. J'avais besoin de comprendre les dimensions invisibles. Une respiration. 1, 2, 3. J'avais besoin de comprendre que les sens habituels et les sens communs ne permettaient pas de voir toutes les dimensions. Et plus j'allais m'abandonner à l'être, plus j'allais monter en vibration, plus j'allais réaliser que je ne suis pas l'identité, plus j'allais monter en conscience, et plus de nouveaux sens allaient apparaître. En plus des cinq sens habituels,
il y avait le sixième sens, émission réception d'amour avec l'organe cœur, le chakra du cœur, qui permettait d'aimer et d'être aimé. Le septième sens, l'organe cerveau, qui permettait de recevoir des pensées, telle une antenne. De la même façon que les yeux voient de la lumière, les oreilles entendent des sons, le cerveau reçoit des idées, des pensées. Respiration. 1, 2, 3. Le huitième sens, le troisième œil, la glande pinéale, le sens qui se connecte aux multidimensions, à l'invisible et aux autres dimensions. Une respiration. 1, 2, 3. Et le neuvième sens, le sens du 1, de l'unité, suite à la réalisation du soi, le chakra coronal. Laissez pleurer. 1, 2, 3. Le sens de l'expression avec le cinquième chakra. J'avais la capacité d'exprimer ce que je suis, ce que je ressens. Le sens de l'action avec le troisième chakra. Une respiration. 1, 2, 3. Le sens émotionnel avec le deuxième chakra. Inspiration. 1, 2, 3. Plus j'allais monter en conscience, en vibration, plus j'allais utiliser chacun de mes sens, chacun de mes chakras. J'allais tout débloquer si c'était bloqué et tout harmoniser. Inspiration. 1, 2, 3. En inspiration. 1, 2, 3. J'avais besoin de comprendre le sens caché de nos rencontres. Laissez pleurer. 1, 2, 3. En comprenant que c'est l'être qui crée toutes les rencontres dans cette vie, dans cette réalité, ainsi que tous les événements, il était possible de se poser la question « Pourquoi je rencontre telle personne ? Pourquoi je crée dans ma réalité telle personne ? Qu'y a-t-il à apprendre ?» Une respiration. 1, 2, 3... En comprenant que nous sommes chacun des outils et que nous incarnons chacun un morceau du puzzle, un puzzle à 8 milliards de pièces actuellement sur Terre, il était possible de faire des assemblages et même des fusions. Inspiration. 1, 2, 3. La question était, qu'est-ce que je vais créer avec les autres moi, avec les autres morceaux du puzzle? Certaines personnes, certains individus allaient vous faire monter en conscience, car ils étaient particulièrement connectés. Une respiration. 1, 2, 3. Certains et certaines allaient vous ancrer, vous enraciner dans la terre, car ils étaient particulièrement bien connectés à leur corps physique. Ils étaient ancrés, concrets. Inspiration. 1, 2, 3. Certains et certaines allaient vous aider à ouvrir votre cœur, car leur cœur était ouvert. Laissez pleurer.
1, 2, 3. Certains et certaines étaient là pour vous aider à tomber amoureux, amoureux. Inspiration. 1, 2, 3. Inspiration. 1, 2, 3. Et plus j'allais voir et comprendre la partie cachée, la partie invisible, dite invisible, et plus la vie allait être facilitée. En allant dans l'être, dans ce que je suis réellement, en m'évadant de l'identité et donc des conditionnements, il était possible de voir la beauté dans chaque un et chaque une. Une respiration. 1, 2, 3. Et la question devenait, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je peux créer avec les personnes que je rencontre? Comment nous pouvons ensemble, dans un nous, créer quelque chose? Ça peut être par deux, par trois, par quatre. Par 100, par 1000. Une respiration. 1, 2, 3. En canalisant les projets de l'être et de l'univers, les projets de la vie, nous avions la possibilité de nous réunir pour œuvrer ensemble dans la création des idées de l'être. Qu'est-ce que la vie avait envie. Laissez pleurer. 1, 2, 3. Quelle pouvait bien être notre fonction, notre utilité individuelle dans le tableau d'ensemble? Où allait la Terre? Où allait l'humanité, la conscience incarnée dans les humains? Laissez pleurer. 1, 2, 3. Laissez pleurer si ça pleure. Dites avec moi. J'active mon troisième œil. Je développe mon huitième sens. Je reçois. Et j'incarne. J'incarne. Puis je reçois. Gratitude d'être guidé. Inspiration. 1, 2, 3. Dites avec moi, je me désidentifie de l'identité. Je prends du recul. Et je reçois. Et je laisse l'identité créer et faire. Je laisse l'identité matérialiser. Une grande inspiration. 1, 2, 3. Alors il y a juste à écouter. J'avais besoin de comprendre dans cette dimension, car je vis dans plein de dimensions. Nous vivons tous dans plein de dimensions. Dans cette dimension, le corps physique avec les mains, le cerveau, avec tous les outils à notre disposition. Le corps et l'identité sont là pour créer, manifester des créations, des inventions, des concepts. J'avais besoin de voir l'intérêt de cette incarnation, tester des choses, vivre des choses, élaborer des choses. J'avais besoin de comprendre dans chaque dimension, je peux créer des choses que je ne peux pas créer dans les autres dimensions. Chaque dimension avait son usage, sa raison d'être. Laissez pleurer. 1, 2, 3. Et j'avais besoin de comprendre que je suis une graine
et comme toutes les graines, je pouvais me développer, m'épanouir pour grandir et être quelque chose. Une respiration. 1, 2, 3. J'étais une graine de quelque chose et en grandissant, j'allais découvrir une graine de quoi ? De la même façon que les glands font des chaînes, que les graines de pâquerettes font des pâquerettes, que les graines de tomates font des tomates, quelle que soit la plante, j'étais une graine de quelque chose. Il me suffisait d'aller dans un environnement favorable, un terreau favorable, pour pouvoir m'épanouir pleinement. Dites avec moi, je m'épanouis pleinement. Je choisis mon terreau, une terre, un territoire où je peux m'épanouir. Alors les bras en croix, une respiration. 1, 2, 3. Dites avec moi, j'accueille la vie. Et je décide de m'épanouir. De façon harmonieuse et harmonieux. Une respiration. 1, 2, 3. Je me crée une belle vie. Avec un terreau qui me correspond. J'écoute mes besoins. Et je réponds à mes besoins. J'assume tous mes besoins. Laissez pleurer. 1, 2, 3. Dites avec moi, je prends conscience de mes besoins véritables pour mon épanouissement. Je prends conscience de mes besoins humains, des besoins de l'être, des besoins de mon identité. Inspiration profonde. 1, 2, 3. Je prends conscience des besoins du corps physique. J'écoute toutes les parties. J'écoute tout ce que je suis. Inspiration. 1, 2, 3. Gratitude. Merci beaucoup. Un home d'amour pour le nous. Gratitude d'être ensemble, de se soutenir et de s'aider à s'épanouir. Une respiration. 1, 2, 3 et 1, Om. Avec moi, je crée dans ma vie de la gentillesse, de l'abandon, de la bienveillance, du soutien, de l'épanouissement, de la créativité, de l'amour,